président très très heureux, une édition 2017 magnifique. Le tournoi a dû être agrandi, on a fait un tournoi pré-qualificatif. Ça a mobilisé combien de personnes? Alors c'est une équipe le comité avec le directeur du tournoi Fabien Dumousset, c'est 10 personnes toute l'année. Et sur place, c'est une cinquantaine de bénévoles. Combien de joueurs? Alors, c'est 32 filles, 13-14 ans. Et au niveau de l'hébergement? Alors, l'hébergement, c'est soit de la famille d'accueil, soit de l'hôtel, soit entre du Crêpes à Serra. Le directeur du tournoi, pas trop pénible? Non, le directeur du tournoi est pas trop pénible. Il gère très très bien. Les filles l'apprécient beaucoup, donc tous les problèmes se règlent assez facilement. Voilà, c'est des petits problèmes d'intendance, de pluie, il faut aller jouer. La Ligue nous prête deux terrains, donc on va jouer à la Ligue ou on va jouer dans nos salles couvertes. C'est vrai qu'on n'a pas le même temps que l'an dernier. Non, l'an dernier on a eu 3 jours de beau temps, là on a eu 3 jours de pluie. Monsieur Dumousset, oui. Hein, oui. Tant de satisfaction d'avoir réalisé déjà ce que vous avez réalisé. Oui, très satisfait, oui. Combien de jeunes? 32 participants dans le tableau final et 16 participants dans le tableau qualificatif France. De toute la France. Ça, c'est quand même une belle satisfaction. Ouais, c'est une belle satisfaction. Pas trop difficile de mobiliser tous ces bénévoles? Si, c'est quand même un lourd travail. Le club répond assez présent sur des événements comme celui-là, assez court, de 4-5 jours. Si, on a quand même. Et combien de bénévoles? Une trentaine. Donc, il faut les motiver toute l'année. Il faut les motiver toute l'année. Toute l'année, ouais. Ça a commencé quand, là, les préparatifs? Préparation, on a commencé en septembre. Donc de septembre à juillet, à juin, fin juin. C'est un beau boulot. Et les bénévoles sont hyper impliqués. Donc ça devient un tournoi à part dans la région pour cette catégorie d'âge. Ouais, je pense. Ouais. C'est une bonne ambiance, l'accueil est sympa. Et... Que des satisfactions. Alors, vous êtes le cordeur officiel du tournoi. Oui, tout à fait. Oh, je corde en fait la raquette de ces demoiselles. Donc les joueuses emmènent leur raquette. Moi, en fait, mon rôle, ça va être justement de remettre du cordage dessus, quoi. Et vous en cordez combien, là? Oh, là, on est sur une quinzaine par jour. Heureusement que c'est pas des garçons, alors. Oh, les filles, elles frottent bien aussi. Elles frottent bien la balle. Vous êtes cordeur professionnel? Exactement, oui. Professionnel, je fais le tour en fait sur tous les tournois. Vous avez ATP Tour? Exactement, ouais. Donc je pars à Hagstadt en Suisse, je pars à Washington, j'étais à Roland-Garros, je fais Monte Carlo, je fais Londres, les Masters, les Finals, Las Vegas, Moscou, des Challengers à Aix-en-Provence, un peu partout quoi. Et quel est votre plus beau souvenir? Mon plus beau souvenir? Ça m'est arrivé de rencontrer Roger Federer. Et dans une pièce, on était tous les deux. Donc c'est vrai que c'était quand même quelque chose d'extraordinaire. La rencontre du maître. Merci. Ouais, grand plaisir, merci à vous. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Elisa Ducot. Et tu viens de quelle ligue? Midi-Pyrénées. Et de quel club? Saint-Gaudens. Donc t'as fait pas mal de routes pour arriver jusqu'à... Ouais, 4h30. Tu t'étais déjà venu à Romagnac? Oui, l'an dernier, mais je m'étais blessée, du coup j'ai dû repartir. Mais ouais. Et tu trouves sympa le club? Ouais, c'est un bon accueil, mais ouais. L'an dernier faisait meilleur, mais il faisait un peu froid là. Cette année, ouais. Non, oui, c'est sympa, ouais. Tu as fait combien? 4-6. 4-6, c'est pas mal. Oui. Ouais. Donc tu fais partie des meilleures françaises? Oui, l'an dernier, les 30 meilleures françaises. Ah oui. Cette année, je sais pas. Ouais. Bon, t'es contente de toi? T'es toujours en course? Non, pas dans le tableau final, mais oui. Non. Héloïse. Héloïse, et tu viens de quelle ligue? Bourgogne. Bourgogne, oh, t'es plus près toi. Oui. Hein? Quel club? 2-6. T'es classé? 3-6. 3-6. Et c'est la première fois que tu viens? Non, la deuxième fois. La deuxième fois, il me semble que je t'avais vu l'an dernier. Et cette année, t'es toujours en course? Non. Non? L'an dernier, j'ai fini 3e. Alors, Romagna, comment tu trouves? Bah, j'aime bien, parce qu'il fait froid. Quel est ton nom? Inès. Inès, tu viens de quelle ligue? Provence. Tu t'entraînes dans quel club? Au Pontet. C'est la première fois que tu viens à Romagna? Oui. Alors comment tu trouves Romagna? Il fait froid, mais le club il est bien. De quelle ligue vous venez? Languedoc-Roussillon. Toutes les deux? Oui. Et c'est quel club? Juvignac. Ça se trouve où ça? Dans Montpellier, à côté de Montpellier. Et vous êtes classés combien toutes les deux? 5-6. Et 15. Et 15, c'est bien déjà.
15. Alors comment vous trouvez Romania? C'est beau mais il fait froid. Il fait froid. Turn back to the shore, out of sight.